Oh, les jantes, franchement, elles passent au millipoil, frère. Mais ça, c'est beau, c'est joli quand même. Dites-moi ce que vous pensez des jantes. Moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, ça va être des jantes que vous allez voir souvent. Ça, c'est sûr, certain. Là, on est en train d'attaquer donc un X3 nouvelle génération électrique hybride. Hein, c'est ça, Quentin? Exactement. Il est quelle couleur là? Il est noir. Il est noir et on le passe une certaine couleur. Non, en fait, on va le passer en gris parce qu'en fait, ça n'existe pas dans Christian. Ça n'existe pas dans la couleur en BMW individuelle. Donc, la cliente a décidé de le passer en gris mat. Et pour faire tout ça, évidemment, il faut tout démonter. Mais pourquoi est-ce que ça coûte un tel prix de faire un covering? Voilà pourquoi. Parce que lui, il coûte très cher. Lui, il coûte très cher. Tout le monde coûte très cher. Voilà. Quentin a décidé d'acheter une Rolls demain. Voilà, il coûte encore plus cher. Non, parce qu'il y a énormément de préparation, énormément de mise en place à faire. Sur le véhicule, tiens, il est de la même couleur que le véhicule, regarde, il est noir et blanc. Et donc du coup, voilà, il y a tout ça à mettre en place. Ça prend minimum 1 à 2 jours pour et nettoyer, et démonter, et mettre sur la chandelle, et démonter, et voilà. Et merci. Et concernant les pare-chocs, c'est pareil, en fait, il faut que tu les dépouilles entièrement pour pouvoir passer dans tous les angles. Donc, tu vois, là, tu as un pare-choc qui est là. Il faut vraiment tout, tout, tout démonter. C'est la raison pour laquelle... Nous prenons 10 000 euros. Nous prenons 10 000 euros, effectivement. Voilà. C'est une belle voiture, quand même. Hein. En fait, moi, je ne connaissais pas trop le X3 hybride comme ça, mais ils ont fait vraiment de beaux progrès avec les nouveaux phares et tout. C'est relativement joli. L'intérieur, bon bah intérieur de BM évidemment. Hein. Bien fini, lisse, soyeux, doux. Je vous montrerai les menus quand tout sera remonté. Et sinon, ouais, t'as un peu tout quoi. Les stores. Regarde l'intérieur, toi panneau. Où sont les nouveaux phares? Là. Ah, ils sont là, regarde les nouveaux phares. Les nouveaux phares à l'arrière mettent un vrai coup de vieux à l'ancien X3. Ils sont tech-tech. Hein. Incroyable. Vraiment très très beau. Ah, tu vois, tu le poses délicatement. Et voilà. C'est un peu dangereux, monsieur, non? Je sais pas, tu sauces la tête directement sur la lunette arrière. La franchise. Il y a quelqu'un qui peut le tenir le... Tiens, je vais le tenir. Vas-y, viens, frère, je le fais bouger juste pour voir. Là. Il est en stress, regarde. Ah, c'est ça, hein. Je sais, elle est rabaissée, la chaise, tu connais rien. Sur R. Sur R. Psh. Ah ouais, regarde, sur R. Tiens-toi bien. Hein. Exactement. Christian, est-ce que c'est propre? C'est magnifique. C'est magnifiquement propre. 20 km. 20 km. Bon, le wrap, effectivement, c'est le tiro en fait. Voilà. Non, mais c'est bon, les gars, ça suffit là. Oh. Oh, pitié. Regarde, on dirait un pharaon, le bordel. Quentin va vous montrer comment on wrap une porte. Pour tous ceux qui veulent se mettre au wrap. Avec plaisir. Voilà. Tuto. Tuto portière. Tu nettoies. Il faut nettoyer. Et je sais très bien que sur internet, ils vont dire faut faire des ronds quand tu nettoies. Voilà, fais des ronds quand tu nettoies, sinon on va dire que tu n'es pas pur. Il est pur ou pas? Il n'est pas pur. Il n'est pas pur, il est dilué. Tut la tut. Ah, c'est bon, là. Arrêtez la belle famille, là, ça suffit. La Thierry en beau frère, ça suffit. Il est poli. Oh, je ne sais pas qui est-ce. Les freins sont très très beaux. Ils sont bleus. Bleu M. C'est incroyable de voir la plaquette propre. Oh là là, mais c'est beau de partout à l'intérieur. Ah, tu sens que c'est solide. Hein. Ah, le berceau là. Mmh, il est là.
faut rabaisser le véhicule. Faut rabaisser le véhicule. Et à l'arrière, j'aime beaucoup cette teinte de d'étrier là. Je suis chaud pour le faire sur mon scooter. Mon scooter. Non, c'est bien. Oh, quelle beauté. Bon, on est parti. On est parti. Et oui. Donc du coup, on lui a posé donc l'aileron là. Tu vois. Et cette couleur au soleil, elle est incroyable. Vraiment. Espèce de petit orangé là. Alors ce qui est rare sur cette voiture, c'est ça, tu vois. C'est cet élément carbone, hein. Les gens n'ont pas souvent. Celui-là, ça c'est la vie du Seigneur. Après, il nous a mis les extracteurs, il nous a mis la coque de rétro, le boomerang, le side skirt, les espèces d'extensions sur les côtés, en vitri, et ça aussi. Ça, c'est d'origine et ça aussi il l'a mis. Oh, elle a vraiment une belle config celle-là. Prochaine étape, jante. À mon avis, ça va être ça. Ouais, allez, on y retourne. Donc du coup, Matt, tu peux fermer les portes, frérot? Ouais. Non, ceux-là, je pense. Alors Matt, dark grey, parce que je sais que vous allez me demander la couleur. Elle était toute noire avant et franchement ça change vraiment tout là. Ce petit gris. L'avantage que je souhaite et que j'aime quand je mets ce genre de wrap, c'est que toutes les lignes en fait, tu vois ça qu'on ne voyait pas au préalable, quand elle était toute noire, elle était très bien aussi en noir, mais là on voit tout, tu vois. Toutes ces petites nervures et tout. Ça la rend encore plus agressive. On a fait les extensions d'aile. Regarde cette ligne là. Regarde cette ligne. La ligne fuyante. Franchement, elle est incroyable. Ça la gonfle. C'est un bodybuild. On a fait le demi-rétro parce que je trouvais que c'était plus joli. Le toit, on l'a laissé en noir. C'est très bien comme ça. Alors l'arrière, en fait, l'arrière, il est énervé. Il est énervé ou pas? Oui. Ça, c'était un sujet de controverse avec ces zigotos là. Ils m'ont dit, on le fait pas. Mais bien sûr qu'il faut le faire. Ça, c'était tout noir. Mais là, tu vois, le petit boomerang du haut là. Ta, 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 ta. Elle est belle. Elle est beau. Regarde, ce cul est exceptionnel. Okay. Non, non, très, très joli comme ça. Et tu vois, Quentin, il n'était pas très fan des feux teintés. Et finalement, il a dit, j'abdique. C'est très joli comme ça. Donc, c'est le nouveau X3 X-Drive 30E pour hybride électrique, c'est ça? Ouais, il ne sait rien du tout, frère. Je trouve que ça a vraiment mis un coup de vieux sur les anciens X3. Parce que là, clairement, tu n'as pas l'impression de rouler en électrique comme ça. Non, non, elle est très, très belle. T'as l'accent qui est souligné, donc tout ce qui est noir, ça fait toit panoramique. Et en dessous, en fait, t'as espèce de pack black, tu vois, avec les échappements noirs. Putain, je crois que c'était une trace, mais en fait, c'est tellement brillant que tu vois le dessus, la tôle. La tôle par chaleur. Le diffuseur noir, comme ça souligne bien les formes du véhicule. En fait, elle fait moins pâteau, elle fait vraiment beaucoup plus dynamique. Ouais. Plutôt joli, très très bien. Évidemment, la signature lumineuse qui provient d'ici, tu vois. Non, c'est un beau projet, c'est sympa. Clair, net et efficace. Efficace, ouais. Et quoi? Et pas cher? On a dit que ça coûtait cher, que vous coûtiez très très cher. Non, non, elle est très jolie comme ça. J'aime beaucoup. Donc maintenant, petit grain de sel. Voilà, c'est fait.
BMW va la récupérer demain matin et le client va la découvrir. Client que nous connaissons évidemment, Sylvain, il va être content de la voir. Electrified by High. Les étriers bleus, j'aime beaucoup. Hein. Je pense que ça irait bien dans la BM rouge. De... il rigole, il sait très bien. Bleu, blanc, rouge. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer sa chipo. Il a mis la même couleur qu'une chipo. Voilà. Elle est là, quoi. Elle est posée là. D'ailleurs, ça me fait penser, j'en ai une bleue aussi. Une bleue, une blanche, une rouge. Et une baguette. Après, on y est. Eh, hey, c'est naso. Ça respire la sincérité, le bordel. On dirait le filtre Snap, frérot. Et l'intérieur. Bienvenue. Oui, merci, c'est gentil. Ah, vous le sentez pas, mais qu'est-ce que ça sent bon alors dans le véhicule? Ça sent la propreté, tu vois. Non, très très bien. Petit kilomètre, très très bon, très 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 bon. Tu vois, aucune source disponible. Mode silencieux impossible. En fait, tu vois, c'est ça. Tu peux faire des petits gestes et là, t'as un espèce de capteur qui reconnaît tes gestes. Regarde, allume-toi, éteins-toi, ferme-toi, ouvre-toi. J'allais faire un geste, mais je devrais pas le faire, donc je vais pas le faire. Non, plutôt bien. Très bien. Appuyons sur stop. Sur start. Évidemment, pas de clé. Je peux même pas vous faire une démonstration. Oh, je suis dégoûté. C'est la voiture des X-Men en vrai. Est-ce que tu es heureux, Quentin? Bah ça va, je suis passé directement à la partie 9. Explique qu'est-ce qu'on a actuellement. On a un camion à réaction. À chevaux. Alors aujourd'hui, on a une Porsche. Porsche. Elle est 992. Une Porsche 1992. Bon, je vous montre. Miami Blue. Intérieur Sadomaso. Bah, le retour, Steve. C'est pas pour moi. Oui, évidemment. Tu, c'est pour tu exploites. Là. Pour la princesse. Ah, bon. Le pauvre. Je te jure, le frérot, il souffre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise, franchement? Je sais pas, fais-lui un croche-pas, te fais un truc. C'est bon, hein? Tuninger est de retour. Aïe, aïe, aïe. La... Fini la Golf. Le nouveau véhicule. Voilà. Voilà. Non. Alors, je sais très bien ce que vous allez dire. Vous allez dire, ah tiens, elle a pris un camion. Nana. Non, c'est pour les chevaux. Ouais. On est d'accord. Sinon, il y a monsieur, il va vous mettre un coup de barbe. Vous allez rien comprendre. Donc du coup, explique-nous quelles sont tes actualités. Parce que là, je vois la forêt. Tu travailles là-dedans maintenant. Chez La Forêt à Luzard en 95. Voilà, si jamais vous avez besoin d'une maison, exactement, n'allez surtout pas là-bas. Non, appelez-moi. Et en parallèle, sait que tu kiffes les chevaux. Exactement. Tu as un cheval qui s'appelle Ferrari qui est ici. C'est presque ça. Voilà, qui est ici, qui va rentrer dedans d'ailleurs. Donc non, j'ai le camion depuis septembre. Donc pour faire des locations sur toute l'île de France, même partout. C'est juste que le camion il est basé dans l'Oise. Okay. Donc ça veut dire que la personne doit venir directement chez toi pour récupérer le camion. À l'écurie, exactement. D'accord. On vient chercher le camion, on dépose son véhicule et on repart avec et pour un jour, une semaine, un mois. Nickel, super. Voilà, donc possible de... Il est de tout réserver. Neuf, hein. Je tiens à préciser que le camion, en fait, il est de 2020, c'est ça? Exactement, décembre 2020. Il est joli, hein. Il est canon, il n'y en a pas de pareil. Ouais, on dirait... On dirait une Porsche GT2, GT3 classique, Miami Blue là. Ouais, non,
Et en fait, tout ça là, ça a été fait après ou c'est le prestataire? Ça a été fait après. Le prestataire qui a mis le nécessaire là. En gros, avant de l'avoir, tu vois les bandes en noir là, il n'y avait pas. Ah ouais, avec c'est du rétro-réfléchissant non? Ah non, c'est du chrome. Donc ça, il n'y avait pas, le cheval, il n'y avait pas, tout ce que tu vois sur les portes, il n'y avait pas non plus, toute la pub. Ouais. Et en fait, c'est eux qui m'ont envoyé plusieurs croquis de ce que je voulais, en fait, c'est compris dans le prix. Ouais. Et donc après, c'est eux qui m'ont tout installé avant d'aller le chercher en Bretagne. Cool, c'est bien. Ouais. Non, c'est bien, franchement, ils font du bon taf, hein. C'est super joli. Alors ça, c'est pas du covering, hein, c'est de la peinture. Il y a juste ça où c'est du covering. Donc tout ce qui est... Alu. Tout ce qui est chrome, c'est du covering. Donc ça aussi, c'est du covering. Alors, il faut dire que la mistinguette, hein, forcément, on la connaît bien maintenant. Hein. Qu'est-ce qu'elles ont le problème de tes jantes? Tout en sale. On dirait qu'elles sont mates et je crois que de base, elles sont pas mates. Elle a mis des jantes. Putain, mais c'est du combien? C'est du 16, ça? Je sais pas. Putain, c'est tout petit. Ah oui, du 16. C'est un client qui a une Porsche, je sais qui c'est. Alors, présente-nous un petit peu ton véhicule, quoi. Donc voilà sur quoi on peut louer le camion. Donc en fait, les gens, ils vont là-dessus. Exactement, ils tapent. Moi, mon camion, il a la Morlaix. Mais s'ils tapent leur ville, eh ben, ils vont avoir une carte où il y aura les camions les plus proches de chez eux, avec les tarifs directement. Et une fois qu'ils cliquent sur le camion, bah... C'est-à-dire que c'est géolocalisé ? Exactement. Ah, je n'aime pas du tout ce rétroviseur bleu. Tu voudrais le faire noir? Ouais, grave, ah, ça me saoule. Ça sera un sacré couleur noir. On va tout peindre, ouais, frère. Ouais, c'est de la peinture qu'il faut faire. C'est dégueulasse en bleu comme ça. Là, on met des LED aussi. Bien, on met des LED. Hey, les amis, on va lui mettre des jantes comme as. Ça, c'est trop beau. Entre là et là, là, bim. C'est même pas d'éclairage LED. C'est même pas d'éclairage LED? C'est du halogène? Ouais. C'est dégueulasse. Non, mais d'accord. Mais l'éclairage, frérot, moi. Ouais, mais les LED, c'est là. Elle a des. On te dirait la veilleuse US en haut. Ça. Attends, fais voir la clé. Mais montre-lui la clé. La clé de Clio 3, frère. Je roule moi-même, effectivement, dans une Clio 3. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je vais jeter. Bah, jette alors. Aïe, aïe, aïe. Full jaune, ils ont mis des LED, ils ont tout mis le budget là-dedans et plus rien à l'intérieur. Ah, je suis serré. Et toi, regarde. Putain, c'est beau gosse là au-dessus. Hein. Tu vois la nuit, mais bonne bête. Hein. Non, franchement, il est beau gosse. Tu l'as déjà roulé, frérot? Non, c'est sa merguez, c'est pas. T'as vu, ils ont mis des espèces de petits. Entrée noire, je sais pas quoi là au-dessus, ça c'est du cover ça normalement, non? Non, ça a l'air de la peinture aussi, mettre du cover quand même. Ah non, c'est du cover. Ouais. Putain, c'est impressionnant. 3 bar 8, 4 bar 6, voilà. Que ce soit. Wesh. Alors aujourd'hui, sur ce véhicule, on doit lui mettre un intérieur, on doit lui mettre un éclairage LED. On va lui mettre des éclairages pour l'intérieur parce qu'en fait, quand tu charges avec le cheval, tu vois pas grand chose. Et donc? Mais c'est surtout qu'il y a une réglementation. Pour aller en Angleterre, on est obligé d'avoir la lumière bleue pour passer le. Comment ça s'appelle le genre, il s'y connaît. Meurs. Donc c'est la seule obligation qu'il y a, mais bon, j'ai pas de client qui. Qui va en Angleterre pour l'instant? Ok. Mais c'est même mieux pour transporter le cheval. Oui, un miroir, c'est pour être beau gosse. Ouais. Très bien. Tu nous montres les modulations du camion. On va poser des questions. Quoi? Vous posez des questions? Ouais, on verra après, c'est compliqué. Ouais. Je sais pas par où il va passer le terme. Ouais. Tu peux pas te suicider, Quentin, d'ici, c'est trop bas, voyons. Oui. Monte au moins à l'étage. Oui. Donc vas-y, on t'écoute. Donc là, on est dans la partie sellerie, donc je suis en mode stall. Donc stall, ça veut dire que les chevaux ne peuvent pas passer la tête. D'accord, ok. Donc on est comme dans un box. Steven, tu veux pas faire le cheval juste pour passer la tête? Non. Non. Donc là, il y a un petit pied pour monter. Là, on rentre dans l'espèce de loft, là. Cheval. Ah, vas-y. Donc, normalement, c'est un camion pour deux chevaux.
Donc je vous remets la séparation de tête. Okay. Donc là, pareil, on est en stall. Possibilité d'ouvrir. Oups. Elle a cassé le camion. Heureusement que c'est ton camion. Hein. Ouais. Donc possibilité de ramener la porte jusqu'ici. On ouvre ça et on met et le cheval peut sortir sa tête. Avec ouais, un filet à foin, tout ça. Donc ce qui fait aussi que ça agrandit la sellerie. Il est là le cheval. Donne-moi un burger. Tu veux quoi, un burger au fond. Donc il y a la climatisation pour les chevaux. Ouais, donc avec les 4 aérateurs là, je crois. Exactement. On a la caméra. Donc ouais, ça c'est pour pouvoir surveiller si tout va bien. Ouais. Okay. On a aussi la sonde, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. La sonde de température pour savoir combien il fait dans le camion. Oui. Non, je pense pas. Hein. Non, la sonde elle est pas comme ça. Hein. Non, c'est des sondes un peu en plastique, mais ouais, ça peut être ça, ouais. Et là-haut, c'est quoi? C'est pour qu'il respire, c'est ça? C'est pour aérer, ouais. Et ça, c'est une des LED, mais en fait, qui ne s'allume pas, si j'ai bien compris, pendant le transport, sinon ça agresse le cheval. Ouais, exactement, la lumière est beaucoup trop forte. C'est bien quand on est arrivé sur place, on va allumer la lumière parce qu'on voit rien, ou on fait charger le cheval quand même dans la nuit. Ouais. On peut ouvrir, ou même quand on le nettoie, parce que je vous assure que c'est 2 heures de nettoyage à chaque fois, et bah, vaut mieux allumer la lumière. Ça, là, c'est horrible. Ça, c'est la pire des choses. Même les constructeurs, ils le disent. En tout cas, c'est bien, le cheval ne glisse pas, ça, c'est sûr, même mouillé. Par exemple, là, je... C'est une misère. Ah putain, j'ai peur. Mais... Tu vois, là, c'est hyper mouillé et... Tu vois. Ouais. J'ai enlevé le SP, ça marche, vas-y. Fais le cheval, là, je t'en supplie, fais le cheval. Et donc, voilà. Du coup, ça, c'est modulable aussi, c'est ça? Exactement, on peut le mettre. Donc là, il est en mode pour la séparation des deux chevaux et après... Ici, j'ai calé la porte et la mettre tout au fond, non? Ouais. Voilà. Quentin va enlever une vitesse parce qu'il est vénère le truc. Merci. On mettra après. Et donc voilà. D'accord. Donc lui, il se coulisse. Ouais. En fonction de ton cheval, si jamais il a un gros truc ou pas. Imagine si c'est un cheval de trait, bah. On peut moduler selon la taille du cheval. D'accord. Et là, tu as une petite lunette. Ah, j'ai fait ma blonde. T'as fait ta blonde, qu'est-ce que t'as fait? Je suis très bien, regarde. Putain, heureusement, tu ne construis pas des maisons, et dans la merde. Hein. Ça, c'est le boulot de mon père. Ouais, bah, c'est heureusement que lui, il construit des maisons et pas toi. Exactement. Tu t'es ouvert combien de veines, combien de fois cette semaine, les veines? Pas encore essayé. Lui, il adore. S'ouvrir les veines, oui, mais ça. Mais non. Tiens. Je rebondis sur un truc qui n'a rien à voir. Frérot, ton tatouage, tu vois, sur le côté là. Ouais. Tu l'as fait avec qui? En Thaïlande. En Thaïlande? Ouais. Directement. Ah, ouais. Bon, ça, tu l'as jamais vu? Mais je l'ai vu, mais je n'ai jamais demandé où est-ce que tu l'as non, fait. Non, en Thaïlande, ouais. Parce que j'ai mon pote là, tu sais qui fait. J'ai vu sur Insta. Et, toi, il t'a activé les trucs là, les sakyons, c'est ça? Oui, ouais. Avec le moine et tout? C'est ça. Voilà, c'était une petite aparté intéressante. Bravo, il est beau gosse. T'en fais un deuxième pour supporter. Deux voire trois. Ouais. Hein. Et là, c'est là où on met le Deuxi. En fait, ça traverse jusqu'au fond. Parce que la banquette à l'intérieur, elle peut s'ouvrir. D'accord, donc là, tu peux mettre tout ce qui est long. Ouais. Je ne sais pas trop ce qu'on peut mettre. Mais bah, en lien avec le cheval, évidemment. C'est bon. C'est encore plein d'affaires qu'on peut. Ah, ouais, ok, d'accord. Ouais, non, mais c'est ça, je veux dire, des grands tapis, des machins, des couvertures, tout ça. Oui, voilà. Ouais, ouais, tu peux sauter. Parce qu'après, tu as accès de l'intérieur. Mais tu peux ouvrir que de ce côté, hein. Oui, j'ai qu'un côté, hein. On pourrait aller chercher au fond. Non, mais tu peux passer par l'intérieur. Que de la gueule si tu rentres dedans. Je passe même pas. Genre, et tout, ça y est, monsieur fait de la salle, il a fait une heure et il en peut plus. J'y fais même plus. Non, mais là, c'est mort. Ah non, s'il n'y a pas de contact, ça marche pas. Ça la clé. Bah, mets le contact. Elles sont là, les clés. Fais gaffe quand tu tires. Je referme. Ouais, vas-y, referme. Tu sais qu'il va tout casser. Non, tu vois, là, non. Si il tire, il part avec le truc. Attends, fermé d'abord. Roméo et Juliette. Hé, Roméo, donne-moi une clé. La serrure, elle est venue avec. Ah, tiens, Juliette, voilà, tiens. Je lui ai dit de mettre un ciel étoilé, elle veut pas. Ah non, ce serait beau, hein. Ouais, ouais. Oh, c'est bon, t'inquiète.
Ah non, franchement, ça serait pas mal, hein. J'avoue. Au lieu de se faire chier pour le billet anglais. Pour pouvoir le payer, en fait. N'importe quoi. Renteo, cliquer, rouler, galoper. Ciel étoilé, bleu, après de s'allumer. Non, franchement, un petit ciel étoilé, ça se trouve, ça peut même apaiser le cheval. Tiens, regarde. Bah, c'est le but de la merveille, là, aussi. De Ferrari. C'est quoi? Ferrari, qui est le nom de son cheval. Le nom que Julien lui a donné. Ouais, mais grâce à moi, moi quand je parle de lui, il se pète pas une patte ou il a pas une tendinite. Toi, tu dis vas-y, viens, on va faire un concours. Le cheval, il a fait frérot, non. Une semaine à la mer, en tout cas, ça y est. Donc voilà. Donc, ça, c'est sa couverture. T'as commencé tout. Ouais. Il est tout neuf, le truc. Ouais, je l'ai acheté. Tu le récupères demain, c'est ça? Exactement. Tu nous envoies une petite vidéo pour nous dire s'il va bien. Ouais, on espère qu'il va monter dans le camion déjà. T'imagines? Eh frérot, t'imagines, bah, le camion il fait ah, il est pourri ton truc. Vas-y, il est où l'ancien trafic? Il était mieux. Et donc après, t'as l'intérieur qui est là. Ah, purée. Et il est tout option le bordel. CarPlay. Ah, t'as CarPlouche? T'as CarPlouche? T'as CarPlouche? T'as CarPlouche? Comme toi, il est heureux, il entend tout. Le nécessaire. Là, tu vois, t'as une caméra de superbe qualité où tu vois la Ferrari derrière et tout. Là, ça te permet donc de voir le cheval. Après, tu peux changer. Non, il n'y a que deux caméras. Ouais, il n'y a que deux caméras, mais je peux mettre. Petite banquette. Avec. Ah ouais. Ah, il se lève comme ça. Regarde, frère. Regarde la banquette, comment elle est levée. C'est stylé. Ouais. Donc là, tu peux mettre... Tu peux dormir à deux, là. Vas-y, photo en dessous pour voir si ça passe. Ça. Si ça passe. Ah non, franchement, ça va. Hein. Non, ça va. Non, franchement, ça va. Au calme, je fais 1m65, large. C'est bon, t'as bien bloqué les trucs. La banquette, ouais, elle est grave. T'as de la gueule. Non, c'est bon. En fait, c'est bien. Après, il y a un mec. Eh, franchement, moi, frérot, moi, je sais pas toi. Moi, je flipperais de dormir en dessous. Hein. Bah, je préfère être au-dessus. Non, parce que ça me tombe. Non, mais si Steven est au-dessus, c'est sûr que je me mets pas en dessous. Oh, ça va, quoi, ça. Il fait pas. Il est costaud. Enfin, non, il est costaud quoi. Non, mais je vais pas monter, j'ai mes bottes. J'ai tout à dire. Non, ça fait. Par contre, ça fait flipper quand même d'avoir quelqu'un qui dort au-dessus de toi comme ça. Attends, regarde comment il est foutu en dessous. C'est des... Je sais pas comment ça s'appelle. Faut que je vous montre un truc que je trouve ça vraiment bizarre et qu'elle trouve pas ça bizarre, mais moi je trouve ça bizarre. Ouais. Pourquoi il y a une antenne ici? Attends. Ouais. Oh. Pourquoi? Pourquoi il y a une antenne ici? Ah, c'est ouf quand même. Hein. J'ai mal au dos, mais ça passe. Ouais. Quoi. Attends, je vais redescendre. Le câble... Ah, ouais. Waouh, waouh, waouh. Tu fais quoi? Tu mets un tracker? Ouais, c'était comme ça. Aïe, aïe, aïe. Tête de ma mère. Tête de mon chat. Ah, oh, purée. Alors, ce que vous voyez pas, c'est que ça, c'est super mou. Je trouve ça marrant. Il y a pas mal de rangements et tout. C'est ça le truc, c'est ça? Ouais. Pas mal, sympa. Et ça, c'est quoi? Corps du rangement. T'as vu qu'il y avait une. T'as vu la taille de la boîte à gants, quoi? Ouais, c'est pour les caméras. Ok. D'accord. Caméra. Oh putain. La finition, elle est vénère. Tous les papiers réglementaires. Allez. Attends, elle a me. Je n'arrive pas à refermer la banquette. Ah, tu m'as fatigué, frère. Mais tu fais quoi là? Bah, j'essaie de refermer, mais je sais plus comment le faire. Pour fermer ta banquette? Ouais. Mais tu as enlevé. Ah, mais t'es sûr que t'es. Ah non, si c'est bon, en haut, en bas. Oh, sale. C'est la table, par contre, j'ai jamais mis. Elle est où la table? Attends. Bah, en fait, ouais, mais t'es en train de faire quoi là? Le c'est pied de la table. Je viens de faire combien un truc? J'ai un mec qui fait chier sur la route, tu sors avec la barre. Ah, comme ça.
Comme ça, si jamais le mec on te contrôle, tu dis bah non, c'est réglementaire. C'est pour ma table. C'est pour ma table. Ah, ça qui a tout au-dessus. Hein. Merde, c'est quoi ça? La petite pochette. Putain. Ils font ça bien. Mais... à toi. D'accord. Ah, c'est juste pour. Alors, il faut savoir. Apéro. Apéro nature et découverte. Ça, en fait, le siège il se tourne comme les Renault Espace. Je crois que c'est là qu'il faut appuyer. Tiens, entretenir la caméra et truc. Vas-y, tourne un peu. Voilà, en fait, ça se tourne. On va pas aller plus loin parce que voilà, on a bien compris. Ça, c'était le même système que dans les Renault Espace 2, 3 et tout. Et après, ça se referme. En train de me prendre toute la ventilation dans la gueule. Frère, je suis bloqué, regarde. Recule. Attends. Non, c'est bien, c'est sympa. C'est impressionnant. C'est bien. Bah écoute, bravo pour ta reconversion en agent immobilio. Agent immobilio locataire de chevaux. Ouais. En fait, je sais même plus ce qu'elle fait maintenant. Ils ont mis une bouteille, comme on n'aurait pas compris que ça soit pour la bouteille, tu vois. La forme est très. C'est quoi ? Vas-y, tire. Ah merde. Okay. Ah bah j'avoue. On dirait un échappement, frère. C'est ouf. C'est quoi, c'est un Miltech? Viens, et on saute en silencieux, on met un tube. Viens, on met un tube. Viens, on délète un intermédiaire. Ouais. On dirait que là, tu as demandé des sous au locataire. T'as payé, frère? Rends-moi la caution. Rends-moi la caution, vite. Est-ce qu'on peut parler de prix? On ne te gêne pas trop, ça va? Sur la location? Bah oui. Oui, alors on a 110 euros la semaine, 120 euros le week-end. Donc en fait, on est sur du 200 km compris, week-end comme semaine. Et en fait, je fais de la demi-journée depuis peu. Donc, on a un prix à partir de 55 euros et 100 km d'inclus. Donc, en gros, le camion, ils l'ont pendant 4 heures. Et puis voilà. D'accord. Quelles sont les conditions de... Il faut au moins avoir genre 21 ans. Non, on peut avoir 18 ans aussi, sauf que la caution est plus élevée. On est à 3000 euros de caution, alors que si on a plus de 3 ans de permis, on est à 2300 euros. Donc voilà. Après, je trouve que la caution elle est pas si excessive que ça. Hein. Bah c'est pour pouvoir. Moi je trouve ça va. Hein. C'est correct. Voilà. Ça paye la franchise et après t'envoies la facture à la personne qui l'a défoncé. Voilà. Il est content, tu veux prendre l'oseille. Surtout ne rayez surtout pas sa voiture parce que si vous rayez sa voiture vous allez souffrir. Le camion ouais c'est bon. Non mais c'est sûr que ça me ferait mal au cœur. C'est bon. Même ça c'est salé je crois. Ouais, ça c'est les feux de gabarit en fait. Ouais, c'est ça, ça sapin de Noël le truc. Vas-y, referme-le pour voir. Tu sais le fermer? Quand même. J'en sais rien moi je connais rien moi en camion de tuning comme ça. Moi je fais des LB, des trucs bizarres mais. Alors. Hey quoi? Hey, on va faire une réunion de tuning, on fait une fête à la saucisse et tout là. C'est stylé! Attends. Hey, mais c'est trop bien! Non, mais si, tu vends tes affaires, tes habits, tes machins et tout. Du coup, tu vois, la Ferrari, elle est toute petite à côté. Voilà, c'est son premier client, cheval 488, rentre à l'intérieur. Non, c'est pas mal du tout. Beau gosse. Vas-y, ferme le haut pour voir. Franchement, elle me tue, elle me fatigue. Tu la vois, la truc. On dirait une mégère, tu sais, une commère. Et la concierge. Non, je trouve qu'ils ont bien fait le petit cheval là. Je le trouve joli. Même le camion lui-même, la couleur, la config et tout, elle est vraiment pas mal. Il y a juste les jantes. Bon, après, c'est les jantes noires, hein, ça va. Ils sont un peu petits, ouais. Ouais, je trouve que c'est un peu petit. Bah après, si c'est sérieux ou quoi? C'est là qu'on a une poudre, le fond des. Ouais, mais après, si tu vas sur des terrains, genre. Quand tu vas en concours ou truc comme ça, dans t'imagines quoi avec des grosses jantes là. C'est toi la boue. T'arraches la jante, tu mets 18 pouces là-dessus, t'arraches tout quand tu vas sur les. T'as fait de la bonne vente là en ce moment? En bien immobilier? Bah oui, pas en chevaux. Bon, en ce moment, ça commence à baisser un peu par rapport aux fêtes de Noël, mais ça va. Mais bon, la flambée des prix, c'est pas simple. Mais le salaire des Français, il a pas augmenté. Donc, Mais les taux, là, ils sont super bien. Ouais, et il faut en profiter parce que début d'année, ça va changer. Quentin, vite, achète vite. Achète vite, 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 avant que lui te tue. Ça y est, t'as fait ton analyse des roues? Ouais.
Non, celui de 25, je pensais que c'était... C'est du bon pneu. Je sais pas c'est quoi comme pneu. Ah, c'est des Michelin. Hein. C'est des Michelin. Ah, c'est des Michelin. Non, c'est des Agilis, c'est des trucs spéciaux pour tout ce qui est poids lourd. Ouais. C'est des renforcés. C'est des Michelin, tu vois. Agilis, putain, je sais tout. Il est bon, il est bon. Oh, il est bon. Arrête de manger des trucs comme ça, après tu sais très bien ce que ça fait. Chaque location, il y a des bonbons. Arrête de manger des bonbons, tu sais très bien ce que ça fait de manger trop de bonbons. Ça fait grossir, ça fait prendre du cul. Mais Quentin, il doit être en train de nous détester là. Ouais, je pense. Parce que tu manges des bonbons. Mais non, parce que pour ça là. Putain, c'est moi. Tu sais quoi ? Vas-y, ferme. Ouais, tu sais que tu peux ouvrir, mais comme j'ai la clé, je vais t'enfermer. Ah bah voilà. Elle est à sa place. Quand t'aimes pas quelqu'un, tu peux l'enfermer, c'est chaud quand même. Ouais. Mais comme tu es maligne, tu vas t'échapper par le truc qui ronge. Ah ouais, comment je monte? Voilà, comme ça, fait... oh, c'est même pas faire une traction. Après, elle monte, elle tombe et elle meurt parce que elle... c'est trop haut pour elle. 3 mètres 10. Ok, très bien. Bon bah, on continue, Quentin? Ouais. Il est content. Il casse les couilles, c'est bête. Pas juste monter des LED. Donne-lui là. Je vois avec une télécommande, c'est réglé. Donc on va lui monter ça là, avec ça. On va voir ce que ça donne. T'as commencé à démonter les trucs? Tout. Allez, vas-y, on va aller voir. Oh, quoi? Il y a quoi là-haut? Bah, c'est de là que ça commence. Ah, le gars, là, le cache. Tu donnes des ordres, toi, calme-toi là. Ok. Oh, un passage secret. Un passage secret. Ok, ça marche. Bon, allez, on va continuer. Bon, c'est là, on a terminé? Yes. Enfin. En fait, quoi, enfin? Tu rigoles ou quoi? Allez, tchuss. Salut. Salut. Oui, il a éteint, là. Tu nous montres ce que ça donne, frère? Salut. Oh, boîte de nuit, hey. Trop beau. En fait, à quoi ça sert, ça? En fait, c'est pour les chevaux, apparemment, ça les apaise pendant qu'on conduit et du coup, ça les agresse moins. Okay. Parce que la lumière classique. Wow, peux... comme il fait froid. De ouf. Ferme, frérot, il fait froid. Attention la tête. T'as fait mourir sur place. Tu peux ouvrir à l'arrière pour voir ce que ça donne. Petite lumière. T'as misé. Et donc, du coup, en fait, ça. C'est une petite LED, c'est pour les chargements le soir, hein, c'est ça? Ouais, quand tu les transportes la nuit. C'est pour pas agresser le cheval en fait. Bah la lumière classique qu'on a dans le camion, bah évidemment c'est hyper fort pour éclairer. Alors que là c'est vraiment tranquille la nuit. Ouais. Tranquillou quoi. Tranquille. Très bien. Exactement, ouais. Et ça évite de les transporter dans le noir aussi. Ah, je viens de sauter ce truc là. Oui, vous ne rêvez pas, il y a l'oncle Claudio qui est derrière. Il est là, il est propre, il est fatigué. On en parlera tout à l'heure. Non, mais c'est trop cool. Dehors, bon. Ça va être encore plus calme. De quoi? Dehors, ça va être encore mieux. Ok, ça marche. En tout cas, il a une belle allure, ce camion. On dirait l'écurie Ferrari pour, des, pour bouger les Ferrari. Ouais, mais trop beau, hein. Bon, très bien. Cool. Bah, je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Steven, je te jure, ça porte à confusion de l'avoir dans un camion comme ça là. C'est vrai. Hein. Regarde quand même. Bah tu pars en vacances. Bah allez Chou, je te laisse remonter avec yes, ça marche, la sister bien. Là. Je sais pas, tu veux saluer? Attends, je démarre. Ouais, je le déteste ton rétroviseur, franchement. Bah tu me les feras. Non, faut les peindre. Bah oui, on les peint. Salut, oui, attends frère, les LED, hey, tu sais quoi, le prochain truc c'est LED et rétro, au moins LED, oh mais c'est horrible, on aurait dû les changer en vrai. T'as vu qu'il y a de la LED à l'arrière, il y a de la LED, ça c'était c'est mystère. Quoi, c'est Quentin, il est parti oui. Comme... T'as la lumière jaune à l'arrière, ouais. Et là à l'avant c'est jaune aussi, c'est dégueulasse. Non mais c'est abusé, franchement c'est abusé. Mais au moins la LED, là. Ouais, au moins LED. Bon vas-y, chouchou. Salut. N'oublie pas d'éteindre derrière, regarde maintenant. Non, t'as... je veux mettre, je veux laisser. Ah, tu veux laisser? Ouais, c'est beau, non? Vrai tuning. Ah, là, il n'a pas décidé.
Julien, c'est toi tout à l'heure. C'est toi, t'es maigre, vas-y. Vas-y, c'est bon. Voilà. Louez-moi sur un tube. Là, t'as une fière allure. Allez, ciao. Faites attention sur la route. Tu passes à gauche, vas-y. Tu rayes rien. Eh, faites attention à la haie. Il y a une grosse caisse là. Va à droite. Ouais, c'est dur. Ouais, touche pas celle-là, s'il te plaît. On dirait un camion de prison. Attends, attends, parce qu'en fait, elle va rayer le truc avec ta remorque, là. C'est qui le con qui a mis une remorque comme ça, là? Attends, je vais lui dire de bouger. Claudio? Il y a moyen que tu avances un petit peu? Parce que c'est soit elle explose la Liberty Walk, ou soit elle explose ton truc. J'aurais aimé qu'elle n'explose pas ton truc. Les dernières 48 heures, je sais pas, les amis. À chaque fois qu'il y a un truc bizarre qui se passe, il y a toujours Alex qui est là. C'est incroyable. Hey, tu sais quoi? Dis-moi, j'ai mes potes de la douane qui m'ont passé des nouveaux Zeku Song. Ouais. Ah, c'est que la dernière fois tu devais me passer des Zeku Song. J'en ai 4. Est-ce que tu veux le faire en live? Allez, enfin, en live, t'es pas en live, mais je veux dire, t'inquiète, quoi. Vas-y, vas-y, faisons. Alors, ok, je te suis. Non, mais faut pas mal le prendre. C'est à dire que dans le Boulogne, si il y a un centre équestre. Et voilà. Il y a des gros chevaux, c'est ça? Ouais. Oh putain, il y a un mouton. Ah oh là là. Qu'en penses-tu de ce cheval blanc? Je pense que c'est honorable. Les étriers de frein et pas les pinces de frein. Les pinces, il a appelé ça les pinces. Les pinces. C'est les pinces de frein en aluminium. Ça m'a un petit peu chagriné, tu vois. Ouais, mais c'est le côté suisse qui revient. Voilà, Claudio, en fait, il mange comme un mec suisse. À l'arrache. Parce que nous, on aime bien le lait, quoi. Ouais, je sais, j'ai bien compris. Ah, vous avez fière allure tous les trois. Alors, il faut dire qu'ils ont fait 4000 km là à l'instant. Ça fait. Ils sont complètement fatigués. Ah, chiant. Ah, putain. Ah, putain. Oh, tu l'as cassé, j'adore. C'est comme ça toute la journée, là. On balance des vannes. Oh, putain. Oh, j'en pleure. Allez. On va... Je vais te montrer les trucs, là. Magnifique, je te suis. Et putain, que le jeu, il y a d'une beauté. Avec la le jeu là, c'est fini. Là. Tu peux enlever tes oreillettes? Mais non. Super, ça y est. Il est trop fatigué. Allez, vas-y, on va monter.